tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un petit haul de chez Action. J'ai accompagné une amie aujourd'hui au Mans. Et du coup, on s'est arrêté à Action, bien évidemment. Mais je suis très, très contente. Parce qu'au début, je me suis dit, oh non, je suis déjà allée lundi. Il n'y avait rien. J'avais trouvé deux choses lundi. Et donc, ce n'est pas la peine d'y aller et tout. Et puis, au final, elle m'a dit, oh si, allez, on y va. Et donc, on y est allé. Et j'étais hyper contente. Parce que du coup, enfin, j'ai trouvé les fameuses boîtes. Voilà. Que je suis allée plusieurs fois, j'ai vu dans plein de halls pour ranger mes mini strass, hein. Et à chaque fois, je les ai vus passer dans plein de halls. Et moi, je les avais pas vus ni sur Alençon ni sur Le Mans. Enfin, Le Mans, c'est lui qui est à côté de, qui est au parc Monceau, du côté d'Auchan. Et là, j'y suis allée, il y en avait plein. Du coup, je me suis pris trois séries parce que j'ai plein de demi-perles et de strass. Donc j'ai pris ça et donc ça c'était 1,59€, si je dis pas de bêtises, c'est 1,59€ les quatre. Par contre, je sais pas pourquoi je m'imaginais ça beaucoup plus grand. Je ne sais pas pourquoi, en fait, hein, c'est comme ça, ça ne s'explique pas. Et en réalité, ces petites boîtes-là, elles font 12,5 cm sur 12,5 en fait. Voilà, c'est tout petit, en fin de compte. Hein. Mais bon, pour les demi-perles et les strass, c'est suffisant. Donc, j'ai pris ces trois-là. Voilà. Ensuite, j'ai repris encore deux bobines comme ça. C'est 95 centimes la bobine et il y a 3 mètres. J'en avais déjà pris deux l'autre jour. Et là, ce n'est pas les mêmes couleurs en fait. Voilà. Cette couleur-là, elle est plus soutenue. Et celle-ci aussi, elle est plus rose. Et celle-là, elle est plus un beige plus foncé. Celle que j'avais pris la première fois, elles étaient plus pâles. Donc voilà, 95 centimes la bobine. Je trouve que les bobines, elles sont trop jolies. Donc voilà. Ensuite, alors j'ai pris ça. Je ne sais pas trop. En fait, je me suis dit, tiens, je vais voir. Je sais pas, je voulais voir ce qu'il y avait dedans. J'ai vu qu'il y avait ces petits éléments-là. Je me suis dit, je vais voir. C'était 1,49€. Et c'est c'est pour faire avec les enfants. C'est au rayon des enfants, en fait. Hein. Et donc, c'est créer soi-même porte de fée. Pour créer soi-même une porte de fée avec des souris. Donc, voilà. Et donc, voilà ce qu'il y a dedans. J'ai trouvé ça rigolo, mais bon. Voilà, il y a des stickers. Donc, vous avez les souris. Voilà, champignons, fromage, arc-en-ciel, papillons et feuillage. Mais en fait, les souris, ça va. Pour le reste, bon, ce n'est pas trop ça qui m'intéresse le plus. Et pour les autres trucs, j'ai trouvé que c'était sympa. Bon, après, c'est 1,49€. Mais bon, voilà, j'ai pris, on verra bien. Alors déjà, il y a la petite bouteille comme ça, avec des paillettes dedans. Là. Un petit bout de feutrine avec marqué Home. Le petit pochoir avec les traces de pas, de pattes. Un petit escalier. Voilà. Deux barrières en bois. Voilà, vous avez les deux petites barrières comme ça en bois. Rose. Vous avez hop, une porte. Je vais mettre comme ça. Oups, 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 oups. Là, une porte. Voilà, avec la poignée, la vitre, la petite fenêtre. Je trouvais que c'était rigolo. Voilà, ça. Et vous avez les petites breloques à accrocher. Vous avez un cœur avec une serrure et une clé. Voilà. C'est mignon. Voilà, du coup, je ne sais pas trop ce que je vais faire avec. Mais bon, voilà. J'étais curieuse, il y en a plein. De sortes différentes, en fait, voilà, ça fait ça, en fin de compte, il montre là. Donc, ça, c'est le petit, la petite feutrine avec Home, c'est le tapis. Là, c'est pour faire les... là, on voit bien les empreintes de pas, de souris, voilà. Donc, la porte, les petites barrières, je trouve ça rigolo. Voilà.
Bon, je ne vais pas utiliser pour faire la même chose que là, mais ça peut être utilisable. Voilà. Alors, les petites barrières en bois, je les trouve trop mignonnes. Hein. Ça peut servir dans une carte. Ça aussi, dans une carte. Les pochoirs aussi. Les petites breloques aussi. Ça peut... voilà. Là, ça, c'est trop mignon. Le petit flacon avec les paillettes. Et la feutrine, en fait. Voilà. La feutrine qui... Hop, mais de ce côté-là, les bits, si on ne veut pas l'utiliser comme ça, on peut l'utiliser pour faire une fleur, par exemple, ou quelque chose comme ça. Et il y a la petite ficelle rose. Voilà. Je voulais voir, voilà. J'ai vu. C'est 1,49€. Et il y a, y en a aussi pour faire des châteaux pour filles et garçons. Parce qu'il y a avec des princesses et avec des princes, je ne sais pas, des chevaliers. Voilà. Ça se présente comme ça et c'est 1,49€ la boîte. Voilà, hop, ça, je remets ça comme ça. Voilà, ça là. Ensuite, j'ai repris de la colle en spray, c'est 2,19€. Voilà. Et donc, vous voyez, il montre pour coller les trucs en bois, du papier, les strass. Etc, etc. Parce que je sais pas si j'arrive à lire, c'est écrit tellement petit. Ah, voilà, c'est colle pour adhésion quasi permanente ou temporaire. Convient pour le collage du papier, du carton, du bois, du textile et de divers types de plastique. Le support doit être propre, sec, nanana, bien évidemment. Ah, voilà, donc j'ai pris ça. Et ensuite, c'est des nouveautés, voilà, enfin, moi je trouve que c'est, quoi que ce qu'il y avait avant, c'est des nouveautés aussi, hein. Mais j'avais dit, non, 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 je ne prendrai plus de stylo. Et du coup, si, j'ai pris les fameux séries de 4, puisque vous avez derrière, là, voilà, il y a 4 qui existent, de 8 stylos, et c'est des métalliques, voilà, vous avez les verts, vous avez dans les marrons, vous avez dans les roses violets et vous avez dans les bleus. Voilà. Et c'est métallisé. Voilà. Alors, j'avais fait quelque part un petit bout juste pour montrer. Mais bon, le gris, je vais essayer d'ouvrir un juste pour vous montrer vite fait comme ça. Bien. Pour vous ouvrir. Je ne sais pas si je vais beaucoup utiliser, mais des fois, quand on veut faire juste un petit truc tout fin, métallisé, donc là, c'est bleu. Après, je ne sais pas si j'utilise vraiment le bon support, parce que c'est le papier aquarelle de chez Action. Si, mais bon, pas tant que ça. Hein. Le bleu, le... Alors, celui-là, oui, il brille quand même pas mal. Je ne sais pas si vous le voyez, mais celui-là... Bon, pas tant que ça. Hein. Un petit peu, mais ça doit être le support. Ça ne doit pas être le bon papier. J'essaierai avec d'autres papiers. Donc, c'est les Metallic Brunch Pens. Voilà. Et c'est les feutres pinceaux métalliques. Voilà. Donc, bah, j'essaierai de colorier des choses avec. On verra bien. Et donc, j'ai pris les 4, puisqu'il y en a 4. Voilà. C'est ces couleurs-là. Et ça, c'était, oh, je ne sais plus combien j'ai dit, 2,24€. 2,24€ la boîte. 2,24€ la boîte. Et ensuite, les nouveautés, c'est du papier. Hop. Que moi, je n'ai pas vu. Enfin, nouveauté. Après, ça fait peut-être déjà quelques jours. Enfin... Peut-être quelques semaines, hein, je ne sais pas. Mais moi, je n'avais pas forcément fait attention. Donc, ça, c'est des feuilles sticker. Donc, il y en a 10 dedans. C'était 79 centimes. Et en fait, eh ben, c'est autocollant. Voilà. Donc, on peut découper ce qu'on veut avec. Hein, faire des... Hop. Que ce soit des die cuts. Vous voyez, hop, ça... Voilà. Ou un fond, hein, si on veut faire des fonds de cartes, un truc comme ça. Voilà, moi j'ai pris les roses, comme ça, roses et feuilles dorées.
Voilà, là il y a comme ça, un peu marbré. Là, avec l'hélice. Je trouve que c'est joli, même si je découpe que l'hélice, en fait, j'aime bien. Là, l'hélice aussi en grand. Là, hop, je n'ai pas passé quelque chose. Non, et c'est marbré. Enfin, voilà. J'ai pris un, il y en a d'autres modèles, je n'ai pas voulu prendre, j'ai juste voulu prendre un comme ça, du fait que ce soit adhésif, je me suis dit, peut-être même si, comment dire, pour écrire, pour les mots, découper des mots, peut-être que, je ne sais pas, je verrai, en tout cas, voilà. Et ensuite, c'est des petits blocs, des paper pads, que pour moi, c'est des nouveaux, mais enfin, moi, je ne les avais jamais vus, voilà. Alors, je vais enlever ça comme ça. J'espère que vous voyez bien. Et comment dire, j'ai trouvé que c'était, enfin c'était très beau. Voilà. Alors le premier, alors il y a 36 pages. Voilà, il y a 36 feuilles. Il y a 12 motifs différents. Hein, donc il y a 3 feuilles par motif. Par contre, est-ce qu'il y a le, c'est 1,54€ le bloc. Ce qu'il y a dedans, c'est ça là, c'est ces feuilles là. Ces dessins là, par contre je vois pas combien de grammes, mais c'est fin hein. C'est pas ouais, c'est tout fin hein. Je sais pas, peut-être 100 grammes hein. Alors le premier, voilà, donc il y en a trois à chaque fois hein. Là, le deuxième, je le trouve trop beau avec la petite coccinelle, les pâquerettes, tout ça, hop, des petits points rose et blanc, des petits feuillages verts et roses. Là, ça, je trouve que c'est trop beau pour un album. Je pense que ça peut faire joli pour une page d'album, parce que sinon, à utiliser, c'est pas évident. Ensuite, regardez comment elles sont magnifiques, ces fleurs. Là aussi, c'est trop beau avec les plumes, les dirais des pivoines, des fleurs de pommier ou poirier, on dirait. Et des plumes. Il y a plein de petites fleurs comme ça différentes. Regardez les papillons comme ils sont beaux. J'aime beaucoup le fond. Après, il y a ça comme ça. Hop. C'est moi, je suis moins fan. Là, je trouve que c'est très joli. Je trouve que c'est très très beau. Hop. Et la dernière, c'est celle-là. Je la trouve aussi très belle. Ah non, c'est pas la dernière. C'est celle-là, la dernière. Il y a du feuille là. Du foil argenté. Voilà. Et on dirait des pâquerettes roses. Voilà. Et il y a une page comme ça qu'on peut découper des bandes si on veut. On peut les découper. Voilà. Ça, c'est, ça se présente comme ça. Et donc, c'est des paper pads. Paper pads avec foil et glitter. 36 feuilles, 12 motifs. Voilà. Donc, celui-là. Ensuite, celui-là, pareil, là. Alors, hop, là. Des petites couleurs. Là. Le fond rose. Là, j'adore les petits personnages, les petites femmes, partout. Hop, donc il y en a trois, toujours trois. Hein. Après, hop, fait comme des marques de pinceau. Là. Des pots de fleurs, des cœurs, avec un fond un peu vieux rose. Là, ça fait un effet un peu, je sais pas, des poils de, comme le dos d'un animal, je sais pas trop. Ouais, des poils, je sais pas. Ensuite, là, donc c'est pareil, les couleurs elles sont très jolies, le fond c'est pareil, vieux rose. Des pots avec des fleurs. Là. Hop, des petites branches de fleurs. Là, avec du foil. Et encore du foil. Voilà. Donc, voilà. Et le dernier, qui est vraiment en couleur, je sais pas, acidulée. Je sais pas, mais moi, j'aime beaucoup. Regardez, là, les roses. Là, tâche. Là, on revient des années en arrière.
Là, c'est trop. Les lotus, ils sont trop beaux. Là, jolie couleur. Là aussi. Regardez. Hop. Là encore, pareil. Des étoiles. Voilà. Des rayures. Et là, il y a du foil doré. Du foil aussi. Et voilà. Et du coup, voilà. Et donc ça, c'est ça qu'il y a, tout ça là. Donc ça, pour moi, c'est des nouveautés. Ça, c'est des nouveautés. Ça, pour moi, c'est des nouveautés. Ils ont peut-être déjà, ils en avaient déjà peut-être fait avant, mais là, je les avais pas vus avant moi. Ça, c'est dans les nouveaux aussi. Peut-être pas nouveau de cette semaine, mais je crois que c'est des nouveautés. Alors, pour les blocs là, il y en avait une autre couleur encore, hein, mais moi, je n'aimais pas, enfin, j'allais pas l'utiliser l'autre. Je n'aimais pas trop les autres couleurs. Voilà. Ça, c'est des nouveautés aussi. Hein. Et ça, ça se trouve, c'est au rayon où il y a les vases, les fleurs synthétiques, là, les fausses fleurs, ou les fleurs en plastique. Etc. C'est dans ce rayon-là qu'on trouve ces bobines-là. Voilà. J'ai trouvé enfin mes boîtes. Chaque fois que je regardais, il n'y en avait pas. Là, hop, il y en avait. Donc, voilà. Ma colle, ça, évidemment, c'est pas une nouveauté. Hein. Ça, c'est vieux. Et ça, que j'avais... Il y avait peut-être avant, hein, mais je n'avais jamais fait attention. J'ai voulu voir comment c'était, en fait, parce que je n'ai pas voulu ouvrir là-bas. Bon, c'est mignon, il y a deux, je peux l'utiliser, je rachèterai pas, hein, mais parce que j'ai pas de petits, j'aurai des enfants là à la maison, peut-être que j'en aurai acheté pour faire des trucs avec eux, mais j'ai pas. Mais je pense qu'on peut très facilement utiliser les petites barrières, la petite échelle, la porte aussi, hein, on peut très bien les utiliser pour des cartes ou des choses comme ça, ou dans un album, hein. Ça, vous pouvez le mettre dans un album, dans la couverture, enfin, je pense. En tout cas, l'idée me vient. Ben voilà. Ben, écoutez, ben voilà, hein, c'est tout. Hein. J'ai rien que je regarde dans ce que j'ai d'autre. Non, j'ai rien pris d'autre. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait. J'ai fait bien le tour, j'ai regardé partout, mais voilà. J'ai pas vu... Enfin. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'autres nouveautés. Juste dans ce qui m'intéresse, en tout cas, je n'ai pas trouvé d'autres choses qui m'intéressaient. Sinon, il y a plein de choses. Hein. Les DA, ils étaient là. Il y avait tous les blocs. Là, il y avait tous les nouveaux blocs. Les derniers qui étaient sortis, là, qui sont beaux comme tout, bah, ils sont tous là. Enfin, il y avait les quatre. Ouais, les quatre, ils étaient là. Et il y en avait plein. Le rayon, il était bien, bien rempli, là, le rayon de scrap. Voilà. Et puis, voilà. Donc, bon, je vais arrêter mon blabla. Et je vais vous dire à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, en partant, mon petit pouce en l'air, mon petit commentaire. Et puis voilà. Portez-vous bien. À très vite. Bisous, bisous.